Merci, mère. Merci, il faut voir. Let's go!
Ole, 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 ole
Alors. C'est merveilleux, je suis très heureux d'être là. Très heureux de voir ma belle famille. Accenti sana, accenti, accenti. Accenti pour cet accueil. Un grand accueil. Et je voudrais m'entretenir avec vous sur trois points que je vais développer pour cette campagne. Le premier point, comme vous pouvez vous y attendre, il est d'ordre sécuritaire. Le deuxième point, il est d'ordre politique. Et on va terminer par les élections. Je voudrais vous dire que au niveau sécuritaire, vous n'avez rien à craindre. Toutes les précautions sont prises pour protéger notre peuple contre des invasions barbares. Lorsque je suis devenu président de la République après les élections de 2018, j'avais été voir tous nos voisins. Le Congo en a 9. Et je leur ai proposé un plan de paix, pour vivre en paix avec nos voisins. Et développer des politiques qui vont nous permettre de rendre nos populations respectives heureuses. Malheureusement, il y a eu des voisins qui ont eu les yeux plus gros que leur estomac. Occupés à reconstruire notre pays, eux se sont organisés pour nous poignarder dans le dos. C'est le cas du Rwanda de M. Paul Kagame. Il avait toujours eu l'habitude d'exploiter, de piller notre pays et de tuer notre peuple. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le stopper. Depuis lors, nous déplorons des millions de victimes ici à l'est de la République démocratique du Congo. Et personne dans la communauté internationale ne s'en émeut. Les Congolais sont abandonnés seuls face à leur malheur, leur destin. Le président rwandais a réveillé les terroristes du M23. Et depuis lors, le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste du M23. Alors, comme nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante de la communauté internationale, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Depuis lors, nous avons organisé notre armée pour la montée en puissance et nous avons créé la réserve de la défense de l'armée nationale. Et donc, j'invite tout notre peuple de se mobiliser. Vous les jeunes, mobilisez-vous, entrez dans notre armée nationale ou dans la réserve de la défense de l'armée. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler.
second point, je voudrais vous parler de notre projet politique. Je disais que nous avons commencé un mandat très difficile avec, comme vous le savez, la coalition FCC CASH, le CASH que nous composerions avec mon très cher frère Vital Kamere. Je vous fais un engagement ici, c'est celui, si vous me faites confiance le 20 décembre prochain, de passer à la gratuité de l'enseignement secondaire. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions trouvé les réserves internationales de la République à 840 millions. Aujourd'hui, ces réserves sont à près de 5 milliards de dollars grâce au travail que nous avons fait. Lorsque nous sommes arrivés, le budget de la République tournait autour de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. Tout cela démontre que nous sommes en train de progresser. Et depuis lors, nous avons commencé avec la première catégorie de la population la plus vulnérable, c'est-à-dire les mères et les enfants. Et nous avons commencé par la gratuité des accouchements. Nous avons mis en place un programme de développement de tout notre pays au même moment, au même rythme, que nous avons baptisé le PDL 145T, c'est-à-dire le programme de développement local des 145 territoires que compose la République démocratique du Congo. Et c'est à travers ce programme, chers compatriotes, Bana Bukavu, Bana Sud Kivu, que j'attends de vous une implication totale, un accompagnement total. Parce que si vous me donnez le deuxième mandat, je vais le consacrer à développer ce programme et ainsi à développer notre pays. Que à travers ce programme, il y a un grand chantier de construction des infrastructures. Nous avons besoin de routes pour développer notre pays. Sans les routes, nous n'y arriverons pas. Et pour ce qui concerne particulièrement le Sud Kivu, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est celui de la construction de la route qui va partir de Bukavu en passant par Walungu, Mwenga, Kasongo, jusque dans le Kasaï oriental à Mbujimayi. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, les financements sont déjà là, les travaux vont bientôt commencer. Le vice-premier ministre Vital Kamerhe me dit même que ça a commencé déjà. Voilà. Et là, dans le même programme, il y a un volet important qui concerne l'agriculture et la construction de routes de desserte agricole. L'objectif de ce programme, c'est de transformer nos propres productions agricoles en République démocratique du Congo et ainsi de pouvoir créer de la richesse et des emplois pour les jeunes et surtout pour les femmes. Je vous ai entendu parler du dollar ici. Le dollar n'est pas une monnaie congolaise. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Si nous avons toutes ces souffrances, c'est uniquement parce que nous avons placé nos espoirs, nos attentes dans une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et nous-mêmes, nous produisons tellement peu que nous sommes obligés de recourir à cette monnaie qui n'est pas la nôtre pour importer des matières que nous pouvons nous-mêmes produire en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous affaiblissons le franc congolais et nous confortons toujours le dollar.
Moi, je vous propose d'inverser cette tendance et de donner plus de force aux francs congolais et plus d'emplois aux Congolaises et aux Congolais. Programme yake ni kubadilisha ile kuinverse tu produire congolais tu consommer congolais na franc congolais itapanda juu na nikusema kama mambo ya dollar haiko ndio problème. Problème ni vision ya mkubwa kisha taifanya na kisha nyinyi mtamsindikiza na kisha ta produire na kisha mera mbele na kisha Musikilize raisi, anataka kumaliza kwa election, musikilize. Bukavu nyanya. Musikilize raisi atawaambia chanti. Moi, je ne vais pas parler des autres candidats qui sont dangereux pour la République au cas où ils prenaient le pouvoir dans ce pays. Hivi mulitika ulipatia confiance tena le 20. Si la sema tu as la candidate vengine. Asante. Mikono tu kwanza, mikono tu. Asante, asante. Hata sema tu as jambazi vengine, ma candidate vengeriko, très dangereux, tu ya ichi. Mikono tu kwanza. Muta asante sana. Watola mkabwe nyanya. Muta nwa kwanza raisi ya maliza hiko vile. Alisema, alibambia juya wadui wa Rwanda wenye kuna vize ya kukamata teritwari yetu na sasa anajua kama nyinyi amutaki ile na mutasimama kama mtu moja kufukuza batu badui inje 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 bapote naende aksanti batabuka wenyanya batabuka wenyanya anasema kama kukufa tutakufa me tutaganye jumu hivyo na siye na Bukavu iko naye mikono juu. Alors je vais terminer cette adresse en invitant la personne que vous m'avez fait le bonheur de me confier comme la compagne de ma vie, celle qui m'a donné de très beaux enfants et qui est votre sœur. Tu as kumaliza nikona mwalika ule mnyulipatiaga kama bibi yangu na nalizalia watoto wazuri na dada yenu niliko mofu wenu anataka kuonesha dada yenu mikono juu juu kupokelea dada mikono juu nyegele na kuonea dada yeye ndo dada yangu ba kusalimia aussi. Jesus.
Jésus. Mikono Julia Dalet, Mikono, Mikono. Mikono, Mikono, Mikono. Accenti Bukavu, accenti Sana. Accenti Sana. Nous allons nous retrouver ici tout à Onana après ma élection. Vous allez avoir la réponse le 20 décembre de la mission à Monaco. Le 20 décembre, vous avez la réponse pour le Kea Monisco. Mikono Djou.